Équipement ça que l'État haïtien prend décision acheter aujourd'hui, hein, c'est des équipements non seulement capables de servir pour la pandémie COVID-19, là, mais on peut servir tout après. Par exemple, carbone de l'hôpital, moi je connais que 1500 carbone de l'hôpital qui vont demander. Carbone ça, il n'y a pas là seulement pour servir dans COVID-19. Après COVID-19, là, l'hôpital qui va bien carbone. Centre de santé qui n'a pas de carbone, carbone c'est pas là pour servir. Moi je connais un pile d'autres équipements qui commandent tout, par exemple des ventilateurs, c'est ça, les respirateurs artificiels. Il y a des centaines de respirateurs artificiels qui commandent. Mais respirateurs artificiels, information que vous savez dans les affaires santé à moi-même, je ne suis pas là pour servir seulement dans le COVID-19, je vais servir tout après. Et c'est pour ça que nous venons visiter aujourd'hui. Hein. Pour nous regarder avec des genoux, qui espace que son appui est disponible pour recevoir équipement matériel qui va arriver demain matin. Que nous avons préparé, nous connaissons la maladie, j'aime dire là, son tueur silencieux, mais nous-mêmes, dans le niveau par nous, nous travaillons pour nous capables de faciliter le travail de la commission, pour nous capables de faciliter le travail du ministère de la Santé publique, parce que rôle nous, comme garant de bonne marche institutionnelle, c'est ça, c'est permettre que l'institution soit toujours au service du peuple.